mardi 11 juillet, il est 8h tout pile. Donc là, je suis en train de mettre mes chaussures pour descendre au petit déjeuner. Ce matin, c'était dur. Hier soir, comme vous avez pu à peu près comprendre, nous avons regardé un film d'horreur. Non, un film de suspense. Insidious 3, un truc avec des esprits et tout. Ça va, j'ai pas eu trop peur. Faut savoir que je déteste, mais genre je déteste les films d'horreur. C'est vraiment le truc que j'aime le moins au monde, je crois. Après, moi, je mets très longtemps pour m'en remettre. Et là, j'avais dit aux filles, si vous voulez, mais il faut pas qu'il y ait une seule goutte de sang parce que je suis vraiment beaucoup trop impressionnable. Donc voilà, il faut ménager mon petit esprit sensible, mon petit cœur sensible. Voilà, ce matin, on a un atelier scénario avec Maxime Roy, qui a fait plusieurs courts-métrages, un long-métrage aussi, etc. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue que j'ai jamais fait de cours là-dessus. Par contre, apparemment, ça va être sur tout ce qui est construire une ambiance, construire un personnage. Et ça, ça me parle beaucoup, parce que j'ai pas mal étudié en littérature, donc du coup ça m'intéresse vraiment. Et hier, c'était incroyable, je me suis sentie tellement chanceuse, tellement privilégiée de voir ça. Comme je vous disais, je suis jamais allée au ski, et oui, j'ai vu la neige, mais je suis jamais allée autant dans les hauteurs. Excusez-moi, j'ai une voix horrible. Pourtant, je n'ai pas crié, je vous jure. Et c'était magnifique, quoi. Les vues, tout, c'était... Puis j'adore les paysages de montagne, parce que quand j'étais gamine, on allait tous les étés en Lozère. Et même s'il n'y avait pas la neige, même si ça n'a rien à voir, mine de rien, ça reste voilà, des paysages de montagne, et j'adore ça. Je me sens tellement bien en montagne. C'est apaisant, c'est calme, c'est des paysages magnifiques. Je ne regarde pas la fenêtre en même temps que je vous parle, parce que je vous montre. Voilà, j'ai pile les montagnes. Puis en plus, ce matin, c'est relativement dégagé parce que c'était nuageux hier et avant-hier. Donc voilà. Du coup, j'ai pas filmé pendant le cours de scénario. C'était bien sympa. On a eu d'abord toute une approche d'explication, etc. Et ensuite, avec les filles, on s'est mises par 6. Et il y a Claire là. Et on a rédigé en fait nous-mêmes un scénario. On devait se baser sur une rencontre en fait. Et à partir de cette rencontre, beaucoup de choses devaient changer. Bref, c'était très, très sympa. Très sympa. On était assises, c'était cool. Hein. Et là, du coup, on est prêtes, on s'est changées. Claire, elle a la tenue de compète, quoi. Sport. Ah ouais. Moi, pas du tout. Bon, je suis en Converse, mais les Converse, c'est pas vraiment des chaussures de sport. Du coup, la crobranche a été annulée au vu du temps. C'est sombre. Et on va faire juste de la luge d'été, donc du bobsleigh. Slake. Oh. Et j'arrive pas à le dire. Et du coup, je pense que je vais pas en faire puisque j'aime pas les manèges, j'ai peur de la vitesse, et j'ai peur quand je contrôle pas un truc. Donc on va voir. Et je vous emmène avec moi. Dans le vent. C'est complètement improbable de manger ici, je trouve.
la team tortue, c'est vraiment tranquille. Hein. On n'est même pas décoiffé, c'est des tortues. On est à 3 et ça penche. Alors les filles, c'était comment? Ça va, c'était bien. Ah, j'étais trop cool. Bon, truc de fou les filles, j'ai fait du bobsleigh. Moi, j'en ai fait, moi. En fait, à partir du moment où ils ont dit qu'il y avait des freins et que du coup on pouvait gérer notre vitesse, je dis allez, c'est bon. Donc j'ai fait un premier tour en mode mamie à 10 km/h et le deuxième tour, j'ai envoyé le bois. Ouais, franchement, c'est génial. Enfin, du coup, j'ai pas du tout vlogué le bobsleigh. On peut pas prendre l'appareil photo. Il est 17h30, je viens de passer dans ma chambre pour me changer. Donc en fait, comme vous l'avez vu, on a mangé sur les hauteurs. Alors, ils nous avaient amené un barbecue, enfin, c'était complètement dingue. On a pris le téléphérique pour y aller. Et ensuite, nous sommes redescendus pareil en téléphérique. Et ensuite, on a pu faire de la luche sur rail. Donc je vous insérerai normalement la vidéo de Cindy qu'elle a pu faire parce que moi j'étais derrière aux manettes, donc je pouvais rien vlogger, je pouvais rien filmer. Elle a même fait des snaps et tout. Et ensuite, accrobranche. Donc déjà, j'avais pas mal vaincu mes peurs avec la luge sur rail, ou je sais pas si on appelle ça du bobsleigh, je sais pas trop, je crois que c'est assez différent le bobsleigh. Vous savez, je m'y connais pas trop en sport d'hiver ou même en sport extrême, enfin en tout cas en sport un peu de sensation. J'aime pas trop ça normalement. Et là, l'accrobranche, j'en avais déjà fait, mais genre j'avais 18-19 ans, et ils avaient dû me descendre en plein milieu, en rappel, en plein milieu de la piste, parce que les gens avec qui j'étais avaient voulu en faire une difficile, et que moi j'avais fait une espèce de baisse de tension, genre malaise vagal, quoi. Et du coup, là, on a fait que la piste 1, et franchement, je me suis fait peur sur certains trucs, donc beaucoup d'émotions, mais j'ai tout fait, donc j'étais super contente. Voilà, pour quelqu'un qui a vraiment, 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 vraiment le vertige comme moi, c'était ouf, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Et donc là, je suis changée, j'ai mis un maillot et on va au spa. Dans un autre spa qui a ça se fait, c'est pas celui de l'hôtel cette fois-ci. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que je vous ferai des petites photos, je vais voir ça. C'est parti. Ok, on est dans le spa et je sais pas si vous voyez le fil là, mais on vient de voir passer les filles qui ont continué. Ça, c'était le niveau 5. Je n'aurais été incapable. Dans le vide et tout. Ouais, c'est mort, j'aurais pas pu ça. Non, bah non, crise cardiaque. Regardez la beauté du lieu. C'est magnifique. Regardez les filles, regardez. Ça, c'est clair. Oh, les tarés. Oh, la trouille, mais vous imaginez pas, c'est vraiment dans le vide, en fait. Oh, je vois les filles, là. Mercredi 12 juillet, il est 7h40 et ce matin, on est les 4 au petit-déj. On est les 4 survivantes, c'est ça. Et franchement, mais c'est dur. Moi, j'ai la voix cassée, alors que je crie pas, je sais pas pourquoi. Si j'ai crié hier à la tyrolienne, c'est vrai. C'est peut-être pour ça. Dans la luge, dans la luge, on a crié aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça, en fait, j'ai rien dit. Fou. Bon appétit, les filles. Comment j'arrive même pas à lever mon bras gauche. Ouais. Je te promets. Ouais, bah, je... Thank you.
Bon, ça y est, c'est l'heure, on a vidé nos chambres, elles sont toutes vides. On est toutes tristes. Au revoir. Les valises sont là et dernier repas un peu improvisé, un peu mieux nulle part, comme tous les autres déjeuners quoi, hier, avant-hier. Ça y est, on est dans le bus de retour. Oui. La grosse plume. Oh, la... Je sais pas, j'ai entendu Léa dire ça, ça m'a plu. Mais vous êtes méchants. Mais la petite plume, la mince plume. La mince plume, la grosse plume. Léa, elle se cache. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at home. Je souhaiterais rénover cette maison, s'il vous plaît. Elle est trop belle. Thank you.